Il est 18h, nous sommes le 4 février 2016 et vous êtes bien sûr 01net TV comme chaque jeudi soir. C'est parti pour 01 Live Hebdo, votre rendez-vous d'actu hebdomadaire pour ensemble débriefer toute l'actualité high-tech. Nous sommes ravis de vous retrouver. Merci d'être là comme chaque jeudi. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Tu as raison, il est 18h pile, on a démarré à l'heure. Pour une fois qu'on a mis notre pendule à l'heure. Vous avez reçu votre notification sur votre smartphone parce que vous avez bien entendu l'application 01net. Comment ça, vous ne l'avez pas? Mais il faut tout de suite la télécharger sur iPhone, sur Android. Alors cette semaine, on parle peut-être de quoi? Sur Windows Phone, mais bon, on verra, si vous êtes gentil. Il y a beaucoup d'actu, hein, François. Beaucoup d'actu high-tech. Tout à l'heure, on découvrira un port USB-C qui transforme votre Chromebook en barbecue, les amis. Ça, c'est sympa à l'approche des beaux jours. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Un port, pas un port, pas le port d'Amsterdam. Hein. Non, un port. Une prise, quoi. Ouais. Vous verrez, il y a eu. Bref, peut-être un vrai scandale. Un vrai scandale, un peu fumeux, d'ailleurs. Éric Le Bourlou va nous parler de cette nouvelle manière de télécharger illégalement des films. Non pas qu'on vous incite à le faire, bien entendu, mais c'est encore un dérivé de Popcorn Time qui est en train de semer la panique. Voilà, évidemment, sa concurrence Netflix. Éric a enquêté, d'ailleurs un article complet à lire sur 01net.com. On en parle dans une minute. Juste après, nous retrouvons bien sûr Delphine Sabatier pour notre Zoom Actu, Jérôme. Oui, et puis on ira faire un petit tour du côté du labo. Avec un spécial PC en compagnie d'Henrik Siméon. Good. Qui nous a dégoté un super PC HP écran incurvé 34 pouces, un vrai bijou. Et puis d'autres petites surprises. Ouais, moi j'ai un coup de cœur. En plus. Je vous le garde pour la fin. C'est cool. Allez, voilà. On y va ? Vous savez tout, soyez les bienvenus. Et bien sûr, on est en direct, donc vous le savez, vous pouvez réagir, poser vos questions sur Twitter avec le hashtag 01live. Vous allez sur Twitter, vous posez votre petite question, le hashtag 01live, et hop là, ça arrive en direct ici même. À condition qu'on récupère le Wi-Fi, là, parce qu'on est un peu en panne. Et puis, quand vous voyez faire ça, quand Jérôme fait ça, c'est pas c'est bon signe, un problème. En fait. Hein. Ouais. Et puis Jérôme, notre question 01net Orange de ce jeudi soir. Téléchargez-vous des films en torrent? Allez, dites-nous tout. Confiez-vous, vous inquiétez pas, on ne le répétera pas. On ne récupérera pas votre adresse IP pour l'envoyer à Adopi. D'ailleurs Adopi. C'est juste pour se faire une idée par rapport à l'actu dont on va parler dans un instant. Alors vous allez sur www.01nettv.com, le petit sondage à droite, vous votez oui, non, et puis on fait le point tout à l'heure comme chaque semaine. Voilà, bien sûr, tout ça est en parfaite confidentialité, hein. C'est vrai que c'est une question... Oui, c'est vrai, on le dit en rigolant, mais il faut le rappeler. Voilà, bien sûr, hein, vous êtes complètement anonyme lorsque vous participez à ce sondage. Il est beau en bleu le PC de Jérôme. C'est un Mac. Oui, tu as vu, je suis passé au bleu. Ah, c'est très beau, très beau, très beau. Ouais. Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous qui arrivez, Gustave, Leaf, Chris, etc. Merci d'être là. On attaque tout de suite donc avec l'actu de cette semaine vue sur 01net.com, Jérôme. Et on va commencer peut-être par Éric Le Bourlou. Salut Éric. D'accord. Bonjour. D'accord, moi je dis bonjour en disant d'accord. Comment ça va Éric? J'allais commencer. Ça va très bien. C'est le petit suspense, ouais, c'est comme ça. C'est exactement, ouais, très bien. Je ne savais pas s'il serait mangé en premier ou pas. Eh ben oui. Eric, un plugin qu'on installe sur Chrome et qui transforme... Firefox, voilà, un petit plugin. Safari sur Mac aussi, ça marche. Ah ouais, oui, en plus. Fait, ouais. Et ça transforme Chrome en fait Mac, ça marche aussi. Enfin, notre navigateur, ça transforme le navigateur en salle de cinéma gratuite. Gratuite. Oui, c'est un peu ça en fait, effectivement. Je pense qu'à peu près tout le monde qui nous regarde connaît Popcorn Time maintenant. Popcorn Time, c'est pas juste un petit truc de pirate, c'est carrément ce que le patron de Netflix a annoncé comme son principal concurrent. Carrément. C'est ce logiciel qui vous permet, d'un quelques clics, de télécharger illégalement absolument tout ce que vous voulez. Ça a une interface effectivement digne de Netflix. Alors Popcorn Time a eu pas mal de remous ces derniers temps. Il a notamment été blacklisté, interdit par les ayants droit qui ont, au bout d'un moment, réussi à fermer sa source de données, le site qu'il alimentait. Et donc, on n'entendait plus trop parler de Popcorn Time, puisqu'il y a une petite version qui existe encore dans un coin, mais plus aussi célèbre qu'avant. Et là, badaboum, hier, un nouveau service est arrivé, qui s'appelle Torrent Time, cette fois. La différence qu'il a avec Popcorn Time, c'est que Torrent Time, c'est un plugin qui s'installe dans votre navigateur. Popcorn Time, il fallait télécharger une application. Oui, c'était voilà, une application comme Spotify, par exemple, un programme que vous téléchargiez. Alors que là, en un clic, on installe ça sur le navigateur, là, et c'est réglé. C'est différent dans le sens où... Oui, voilà. Vous installez ça. C'est encore plus simple.
Voilà, vous installez ça sur votre navigateur et une fois que vous avez installé ça, vous pouvez aller sur tous les sites qui sont compatibles avec cette technologie. Mon Donc Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, si demain il y a popcorntime.fr, je ne sais pas, il est temps de manger du popcorn.com, etc. qui créent autant de sites pirates qui existent avec des sources différentes. Il suffit aux pirates d'avoir ce plugin installé et il pourra aller sur une ribambelle de sites différents qui lui proposeront des contenus pirates. Donc là, c'est carrément un hydre qui vient de s'ouvrir et un vrai problème pour les ayants droit, puisque alors qu'avant il suffisait de fermer la source de contenu Popcorn Time pour se débarrasser du service, là c'est plus du tout possible, puisque maintenant les sites vont pouvoir se multiplier. Ouais, ils vont décentraliser le truc. Voilà, c'est une façon de décentraliser complètement ce genre de plateforme. Ça marche bien ? Ça marche. Il y a déjà plusieurs sites qu'on va pas citer ici, mais il y a déjà plusieurs sites qui fonctionnent avec cette technologie. Vous allez sur le site, vous avez comme si vous aviez Popcorn Time installé sur votre machine et vous pouvez lancer des films ou des séries très facilement. Mais bon, le problème c'est qu'on est visible quand même sur. Et oui. Alors, on passe dans les fourches codines d'Adopi là. Déjà, c'est un plugin qui est caché. Alors moi, on va quand même. Bon, c'est du piratage, on va quand même le rappeler. C'est déjà du piratage, voilà. C'est complètement illégal, hein, on vous le rappelle. Ouais. Et surtout, c'est un plugin que vous installez. Alors, quand vous installez un plugin, c'est pas quelque chose d'anodin, parce que vous installez un exécutable sur votre machine. Sur cet exécutable, malheureusement, il n'est pas open source. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, on ne sait pas qui a développé ce plugin. Ils disent on est super sympa, on est des geeks, on est géniaux et on a développé un super plugin pour vous aider, mais on ne sait pas qui c'est. Ouais. Et peut-être qu'ils récupèrent tout au passage. Hein, Voilà, et ce plugin en question, ils ont open sourcé une partie de ce code, donc c'est-à-dire que les clones du site Popcorn Time, vous pouvez très bien les récupérer sur Internet et faire votre propre site Popcorn Time en à peu près 10 minutes. Hein. C'est très facile. Ça, c'est open source. En revanche, le plugin en lui-même ne l'est pas et c'est un petit peu bizarre. Ce qui veut dire qu'on se pose une question sur est-ce que c'est vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière? Et il y a sûrement quelque chose de caché. Il y a un cheval de Troie, par exemple, qui c'est possible. On n'a pas remonté pour l'instant, on n'a pas vu de malware, mais c'est possible qu'il y ait du malware. C'est aussi possible que ces gens-là veuillent faire de l'argent. Et c'est ça, en fait, qu'ils veulent faire. Ils veulent faire de l'argent. Faire de l'argent? Alors, parce que quand vous lancez ce logiciel, quand vous allez sur un de ces sites, on vous propose tout simplement, on vous dit d'abord, c'est dommage, vous n'avez pas activé de VPN, mais justement, vous n'avez pas de VPN, alors du coup, la Adopi peut vous contrôler. Donc on vous conseille d'installer un VPN. Popcorn Time le faisait déjà. Exactement, c'était ce qui a fait tomber Popcorn Time d'ailleurs, puisque les gens qui faisaient tourner Popcorn Time ont eu un problème parce qu'à partir du moment où ils faisaient de l'argent avec puisque en fait, ils faisaient des deals avec des vendeurs de VPN et ils partageaient le revenu que les gens. Quand ils prenaient un abonnement au VPN, les gens de Popcorn Time faisaient un peu. Et là, c'est le même business. Eh bien, c'est à peu près le même business. Ils proposent des VPN payants. Ils proposent aux VPN de s'inscrire en ce programme. Et effectivement, ils vont pouvoir partager les revenus que ces gens qui proposent des VPN vont ramener avec des internautes qui veulent pirater. Ils vont s'en récupérer une partie. Ouais, c'est un business C'est un business très malin, mais du coup, c'est encore plus, on va dire, c'est encore plus grave parce que finalement, ils vont peut-être se faire beaucoup d'argent. Ces gens-là, on ne sait pas trop qui c'est, sur le dos des ayants droit, sur les gens qui font des films, etc. Et c'est vrai que là, du coup, on est très loin de l'idéologie, du partage, du peer-to-peer qui a eu lieu à une époque. D'accord. Donc, vous l'avez compris, malgré le fait que ce soit très séduisant, on vous déconseille d'installer ce petit plugin parce que... Ça pose des problèmes de sécurité pour l'instant. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont le faire, mais faites attention faites attention avec ça. Ouais. Parce qu'en plus, on ne sait pas quand il tourne. C'est un client BitTorrent. On ne sait pas quand il tourne sur sa machine. On ne peut pas l'éteindre facilement. Donc c'est un petit peu bizarre. Voilà. Et puis en plus, si vous n'installez pas un VPN, là vous êtes franchement sous les. Oui, la Adopi évidemment. Sous le radar d'Adopi. Oui, tout à fait. C'est du peer-to-peer, donc on peut voir votre IP très facilement. Même si on pose encore la question de l'intérêt d'Adopi, de la force de frappe d'Adopi aujourd'hui. Ouais. Mais ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, Eric Le Bourlou. Merci, Eric. Un article complet qui vous attend sur 01net. Un article de Gilbert Kallenborner, je tiens à le préciser. Et qu'on salue. Merci, Gilbert, pour cet article. Pour cette enquête. Cette enquête. Alors on va passer à autre chose qui fait peur, parce qu'on est dans les sujets qui font peur ce soir. Et imaginez que vous achetiez sur Amazon un petit câble de rien du tout, et en l'occurrence un petit câble USB-C avec le tout nouveau connecteur USB-C, parce que vous êtes un heureux possesseur d'un smartphone ou d'un ordinateur USB-C. Il n'y en a pas beaucoup encore sur le marché. Si vous ne connaissez pas USB-C, c'est le futur de l'USB, de la prise USB. Et malheureusement, ce connecteur s'avère complètement, il y a un vrai problème, parce que vous risquez de bousiller votre machine. Non. Salut François Bedin. Bonjour. Salut François. Alors c'est effectivement ce qui est arrivé à un monsieur qui a comme passe-temps de tester des câbles USB. Ah.
C'est cool, ça. Il s'appelle Benson Lung et il est ingénieur chez Google. Chacun ses perversions. Hein. Ça, voilà. C'est quand même incroyable. Et il est... Le mec, le week-end, les gars, je teste tous les câbles USB-C qui sortent. Voilà. Et comme il s'occupe en fait des machines Pixel et qui a donc des connecteurs USB-C, et ben voilà, il a eu l'idée saugrenue mais très utile de tester les différents câbles qui étaient vendus sur le site Amazon aux USA. Ouais. Et alors en général, ces tests ne détruisent rien, mais là le dernier, ça a été un peu la catastrophe parce qu'il a littéralement flingué son Chromebook Pixel, en particulier les ports USB. Tout simplement parce que le câble avait un problème de connectique et de câblage des fils en interne. Les fils internes du câble étaient, ben voilà, étaient pas câblés correctement. Ah oui. Donc ça a provoqué vraiment des dégâts et voilà, ces ports USB-C sont devenus totalement inopérants, ce qui pose évidemment un problème puisque le port USB-C, cramait en fait l'intérieur du système. Voilà, ça cramait le contrôleur. Voilà, ça, donc là il faut repasser au service après-vente. Alors bon, là c'était vraiment un peu le cas extrême, mais lors de ces différents tests, il a surtout montré et dénoncé le fait que ces constructeurs de câbles USB-C ne respectaient pas les normes, car il y a des normes. L'USB-C est maintenant un câble qui... Enfin, les câbles USB-C permettent d'alimenter les appareils et surtout de faire passer des puissances assez importantes. Bien sûr, c'est-à-dire que maintenant, on peut faire passer du 60 watts, du 100 watts, c'est énorme. Sûr. Donc, il y a maintenant des règles à respecter et les constructeurs de câbles ne les respectent pas. Donc, en général, par exemple... Pas tous, certains. Voilà. Et donc ils ont par exemple une petite résistance à mettre dans le connecteur et ils ne mettent pas la bonne. On se demande pourquoi. Et l'ingénieur contrôle ça et dénonce ça. Alors ce qui est très bien, c'est qu'effectivement, quand on va sur Amazon US, eh ben, y a, effectivement, il dit si le câble est bon ou pas bon. Donc c'est bien pour faire son choix parce que tout de suite on sait si le câble est bon ou pas bon. Alors par contre, les câbles qui sont vendus sur Amazon US ne le sont pas forcément sur Amazon France. D'accord, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà. Mais à la limite, ce qui est peut-être pas mal comme démarche, c'est d'aller donc sur Amazon US, de voir en fait quel câble il recommande et essayer de voir si on peut le trouver sur Amazon France. D'accord. Et pour la petite histoire, et ben le câble évidemment qui était fautif a été retiré par Amazon vu que... Ouais. Amazon, ils n'ont pas de chance. Hein. Ils ont des overboards qui prennent feu, des câbles USB-C qui prennent feu. C'est aussi le plus grand magasin du monde. Donc statistiquement, souvent les petits problèmes c'est arrivent logique. Chez eux. Hein. C'est clair. Bon, voilà. Quand est-ce que vous allez tester tous les câbles USB-C 01net? Oui, ça serait pas mal, un joli comparatif. Et c'est vrai que celui-là ne prend pas feu. Non, mais tu rigoles, mais là, ça vaut le coup. Hein. Ah, ouais. Heureusement qu'il fait ça, ce monsieur. Vrai, et ce qui est dingue, c'est que ce câble-là va être la prise universelle de demain. Et oui. Qu'il va falloir faire très attention demain aux câbles qu'on va s'acheter. Et il ne faudra pas lésiner sur mettre peut-être un peu plus cher et vérifier effectivement si ce câble est oui ou non correct. Parce que voilà, comme l'a dit François, Amazon a supprimé le câble. Hein, ils réagissent très vite en fait au test de ce fameux monsieur et ils suppriment les produits quand ils voient qu'effectivement ils ne sont pas conformes. Mais il y en a de nouveaux qui arrivent chaque jour. Puis il n'y a pas qu'Amazon, il y a eBay, il y a tous ces sites-là où on peut acheter des câbles par centaines. Et vous aurez forcément besoin dans les années qui viennent de ces câbles-là. C'est un câble qui va être omniprésent. Eh oui. Donc c'est vraiment un sujet important en fait. Et tout le problème en fait, c'est le problème vraiment du câble pour l'alimentation. C'est vraiment le truc. Et moi, j'ai appris, par exemple, qu'en USB 3.1, il faut que ça soit un câble à 9 fils. Et que, par exemple, celui-là, là, qui était non défectueux, n'avait que 4 fils. Donc, mais ça, il faut l'ouvrir pour le savoir. Ouais. Ah oui, mais il a carrément démonté le... Démonte carrément les câbles. Tu te démontes un bien petit sûr, peu. Bien sûr, bien sûr. Comme toujours. Enfin, moi, je tu fais pas ça, toi? Si, bien sûr. Je pèle les oranges et je démonte les câbles. Non, mais c'est vrai que du coup, il faut quand même préciser qu'il faut faire attention. On trouve des connecteurs et des câbles, mais même sur les marchés. Moi, j'en ai vu cet été sur les marchés de Provence. Oui, il y a des câbles USB. Méfiez-vous. Hein, il est beau, mon USB-C, il est frais. Pas forcément. Bon, merci François. C'est bon à savoir. Merci beaucoup François Bodin. Et merci beaucoup Eric Le Borloo, rédacteur en chef de Zeronet.com. On se retrouve dans un instant, 6h15. Et à 6h15, vous l'avez mérité, elle arrive. C'est Delphine Sabatier. Je vous rappelle que nous avons toujours notre question. Ouh là là, là on vous fait un truc là en direct, mesdames, messieurs. Zouzou. Magnifique, superbe. C'est ça. Pour tous ceux qui ont le mal de mer, c'est normal, c'est mais ça robot. Va se calmer. Ah non, vous c'est Pierre. Voir. Pierre n'est pas un robot d'ailleurs. Juste un truc important, c'est que nous vous posons une question concernant les torrents justement. Oui. Hein, est-ce qu'il vous arrive de télécharger
Est-ce que vous téléchargez des films en torrent? Dites-le nous. Évidemment, je le disais tout à l'heure, c'est complètement confidentiel. Vous allez sur 01net.com, vous répondez à cette question, ça nous permettra de faire un petit sondage comme ça entre nous, plutôt intéressant. Et on fait le point tout à l'heure, juste après la chronique de Delphine. Alors Delphine, justement... Bonsoir Delphine. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Et ce soir, vous nous parlez d'un truc qui s'appelle Magic Leap. Et Magic Leap, c'est... Alors oui, apparemment, ça doit être magique, parce qu'on sait à peine ce que c'est. Je ne sais pas d'ailleurs c'est quoi, c'est une start-up. Ouais. Et qui a réussi à lever 800 millions de dollars sans qu'on sache exactement sur quoi ils travaillent. C'est un truc de fou, effectivement, ils vendent du rêve, hein, Magic Leap. C'est effectivement une boîte, une petite start-up. On en a déjà parlé quand même ici, oui, hein, sur 01net TV, parce que le projet est vraiment génial. On parle de réalité augmentée plus, plus de la réalité mixée finalement, où on confondrait le réel et l'irréel demain. On entrerait dans vraiment une dimension, un saut donc, dans un univers saut quantique dans magique. Le virtuel. Alors Magic Leap, effectivement, n'a jamais sorti de prototype, ni même de produit, et pourtant... ils ont eu tout de suite des faits très fortunés qui se sont penchés sur leur berceau, puisque dès leur naissance, en 2014, ils ont réussi à lever 540 millions de dollars. Et puis pas auprès de n'importe qui, hein, auprès de Google principalement, il y avait aussi Qualcomm. Donc non, ça intéresse pas mal de géants. Il n'y a pas de bulle dans les Silicon Valley. Et là, on vient d'apprendre 794 millions de dollars. Enfin, c'est juste incroyable. Il y a très peu de start-up qui font ça aujourd'hui, qui sont capables de lever autant d'argent. Et là, c'est principalement auprès d'Alibaba, qui est le géant du e-commerce chinois. Mais il y a aussi Google qui a remis dedans. Donc tout le monde veut participer, tout le monde va avoir des parts dans cette entreprise. Alors quelle différence avec HoloLens, puisque tout de suite c'est ce qu'on a envie de comparer en fait, hein, le système de Microsoft. De réalité augmentée, oui, effectivement, on marie le réel et l'irréel. Ça semble assez proche. Hein. C'est vrai que HoloLens aussi nous a fait, enfin Microsoft nous a fait des démonstrations avec son casque où on peut attraper des objets virtuels tout en étant dans un univers absolument réel. Sauf que si j'en crois le fondateur Ronny Abowitz, ça n'a rien à voir, ça va être totalement différent. C'est beaucoup mieux. C'est bien mieux. Ça, ce qu'on voit là, c'est HoloLens. Ce qu'il promet Magic Leap, c'est vraiment que cet univers virtuel qui va arriver dans notre monde réel, il va être capable de générer des sensations. On va avoir même l'impression parfois d'avoir des présences à côté de nous. C'est-à-dire qu'un objet virtuel, on le sentira pratiquement. Oh là là. Oui, on demande à voir. Le fantôme virtuel. Qui nous dit vraiment que ce sont des produits sans atomes qui vont vivre en harmonie avec nous, qui sont formés d'atomes. Il y a une vidéo, c'est vrai, qui a été dévoilée en novembre, qui était assez bluffante. Ouais, hein, c'est vrai. On l'avait vu d'ailleurs, on en avait parlé à cette occasion. Voilà, ça fait peur, en même temps ça fait rêver. Bon, est-ce qu'ils vont être capables de nous faire cette interface, cette interaction absolument naturelle avec du virtuel? On le verra. Pour l'instant, tout ça, on peut se dire que c'est que des mots. Mais je précise que la boîte est valorisée à 4,4 milliards de dollars. Donc a priori, c'est quand même du sérieux. Et si le produit sort, ça devrait coûter combien, ce petit bijou? Alors, on n'a pas de prix, évidemment, non plus. On n'a pas de prix. On peut juste se dire que par rapport à HoloLens, puisqu'on est à peu près dans le même positionnement, HoloLens ont annoncé que la première version pour les développeurs serait à 3 000 $. Donc, a priori, ça va être un produit très cher. Sauf que Magic Leap dit, moi, je veux le démocratiser, je veux que ce soit accessible au grand public. C'est ce qu'on voit là, Magic Leap? Oui, c'est ça. C'est ça, hein. J'ai raté l'image. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant, vraiment, on en rêve. Alors HoloLens, c'est impressionnant aussi quand on le voit en démonstration, mais on sait que dans la réalité, ce ne sera pas aussi génial que ça, en tout cas dans sa première version. Donc attendons de voir pour Magic Leap. On n'a pas non plus de date de lancement de ce produit, hein, donc tout est autour d'un grand secret. Alors c'est peut-être ça qui fait sa valeur aujourd'hui, c'est ce secret. On a plus d'infos sur HoloLens en revanche, hein, cette semaine. On a eu des dernières infos, donc disponibilité du kit développeur au premier trimestre. C'est un casque HoloLens qui va être totalement autonome, donc ça c'est intéressant, on n'est pas obligé d'acheter un PC, il n'y aura pas de câble, ça va fonctionner sous Windows 10. Et en Wi-Fi et Bluetooth, et on a des infos sur l'autonomie. Combien de temps je pourrais vivre ma vie dans cette nouvelle dimension? Eh bien, entre 2h30 et 5h30, en fonction de l'utilisation. Donc, pour voir un match de foot en France, ça suffit. Pour du Super Bowl, par exemple, on n'est pas sûr. On sait aussi qu'on n'aura pas une vision aussi spectaculaire que les démonstrations qui ont été faites, puisque d'après les infos qu'on a, ce sera plutôt une vision d'un écran 15 pouces à 60 cm de l'œil. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas aussi spectaculaire qu'une immersion à 360. Hein. Voilà. Et puis, il y a une petite vidéo qui a été diffusée par Microsoft pour le Super Bowl, qui sont sponsors de la Ligue de foot américain, où on voit tout le poste avec vraiment une mise en scène qui arrive dans son salon.
Magnifique. Bon, on verra bien. C'est l'avenir. Magic League promet que c'est incessamment sous peu qu'on découvrira son premier prototype. Mais moi, je rêve de jouer dans la rédaction de 01net pour tuer des zombies. Comme il y a un moment, il y a ça dans Magic League. Vous Mais imaginez c'est pas que du jeu vidéo, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que ça peut être un nouvel univers de travail. C'est l'ordinateur du futur. Ouais, on pourrait se retrouver dans une salle de réunion, en pleine savane, par exemple. Delphine, quand on se retrouve en réunion. En pleine savane. D'un coup, avec les petits singes qui passeraient comme ça au milieu. Ouais, cool. Les fantasmes de François Sorel. La savane et les petits singes. En réunion. C'est sympa. C'est sympa ou pas? Tous les lions. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Delphine. Et je voulais terminer sur un autre petit coup de cœur. Ah oui, ça, celui-là, il n'est pas virtuel. Il existe vraiment. 100% réel. Complètement. Donc j'ai vu Steve Jobs, le film, en avant-première. J'ai absolument adoré. Donc, c'est vrai? Je sais qu'il y a certaines personnes dans cette rédaction parfois qui ont eu des doutes sur ce film. C'est vrai que c'est un biopic totalement atypique. Hein. Ouais. Absolument hors. On est dans un univers hyper stressant. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une petite perversion quand même du réalisateur parce qu'on ne goûte jamais au plaisir de la keynote à la fin. Hein. Non, non. Ah bon ? On est que dans les mauvais moments. C'est les préparations, etc. Le stress. On est que dans les instants où Steve Jobs se prend le ciel sur la tête. Il a toutes les angoisses. Mais pourquoi je dis que c'est un film super, en tout cas, je pense, pour tous ceux qui aiment 01net TV, 01net.com, c'est que c'est un film de... C'est qu'on est plongé dans l'histoire de l'informatique personnelle. On est au tout début de cette histoire. Il y a vraiment une bagarre, enfin on voit la génération Mac contre la génération PC presque, hein, qui se profile dans le film, entre l'informatique fermée et le rêve de Steve Jobs d'un monde absolument sous contrôle, parfait. C'est vraiment, il y a une lecture, je trouve. Mais vous me donnez envie, tech, moi je l'ai pas encore vu. Et ben on va y aller, Jérôme. Hein, tu sais comment quoi. On peut y aller? Allez-y et vous nous invitez votre avis. Et je vous invite. Ah, ouais, il y a cool. des places à gagner sur 01net.com. Ah, pas que nous, alors on peut une inviter tout le monde. Une cinquantaine de places, dépêchez-vous. Allez, 01net.com. Pour ce film qui est en salle depuis quelques jours maintenant. Voilà. Depuis mercredi. Et qui est en partenariat avec 01net d'ailleurs. Hein. Il faut quand même le signaler. Merci beaucoup Delphine. On est sur les affiches de métro, on est super contents. Ça c'est, alors, ça, c'est la classe quand même. Le logo 01net, c'est trop classe. Dans Merci beaucoup Delphine. Merci. Merci Delphine. La question 01net Orange du jour. Téléchargez-vous des films en torrent. Voici la tendance. Oh, ben, regardez, regardez ça. On est à presque 50-50. Hein. Un internaute sur deux télécharge ou ne télécharge pas, suivant la manière dont on regarde les choses. Voilà, alors si on voit le verre à moitié plein, c'est quand même beaucoup. Ouais. On peut se dire que voilà, un internaute sur deux qui télécharge des films en torrent, c'est quand même énorme. Hein. Qui continue de télécharger alors qu'on a maintenant quand même pas mal de plateformes, de SVOD. Parmi les geeks qui nous regardent, bien entendu. Bon, ce n'est pas un sondage représentatif. C'est vrai que même si on a une offre beaucoup plus intéressante qu'à l'époque d'Annie Sans Adopi, on reste encore contraint à un univers français avec une chronologie média qui est complètement ubuesque. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est clair. Pas c'est à l'ère d'Internet. Quoi. Delphine Sabatier, merci. Continuez. Vous votez sur 01net.com pour notre question 01net Orange de ce jeudi soir. Et maintenant, c'est l'heure du labo. Et qu'avons-nous au labo ce soir, François? Eh bien, nous avons François Bedin, mais bon, vous le connaissez. Ah, François Bedin, bonsoir, ça va bien? Voilà. Il a changé de place. Il a changé de place, mais il n'a pas changé de chemise, t'as remarqué? Bah, il ne va pas se changer. On pourrait imaginer en tant que, voilà, c'est pas Johnny Hallyday, et il ne change pas entre deux chansons. Et pourquoi pas? Bon, alors, François, la prochaine fois, si vous pouvez changer de tenue entre deux interventions. Et puis, Aymeric Siméon qui est là. Bonsoir, Aymeric. Bonsoir. Salut, Aymeric. Aymeric qui va nous parler de PC, vous savez que c'est un peu sa spécialité, parmi d'autres cordes à son arc bien évidemment, et on va évoquer deux produits qui viennent d'arriver à la rédaction de 01net. Oui, il y en a un qui était déjà là depuis quelques jours, et puis il y en a un qui est fraîchement arrivé. Qui vient juste d'arriver, c'est ça. C'est le coursier. Alors, pas parler de PC portable ce soir, bien que d'ordinaire c'est un peu ce que je fais. On va parler plutôt de PC tout en un. Donc, pour rappel, hein, des PC monobloc, donc écran plus tour, hop, on compacte le tout, ça fait un seul et même un même engin. Donc voilà, donc ce soir on va parler donc des Asus Zen iOS. Ouais, donc, des Asus Zen. Ouais. Ça comme ça. Vous m'en mettez deux d'Asus Zen et puis. C'est ça, voilà. Et des frites avec. Voilà. Bon, moi je veux le voir. JD, les images, la pression pour JD, il n'est pas parti encore en vacances. JD, c'est demain les vacances. C'est pas celui-là. Voilà, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Bah, ça, celui-là, c'est l'autre. Bon, on a qu'à commencer à celui-là. Bon, voilà, on commence avec celui-là. Alors ça, c'est le HP
Envy 34 Curved. Donc celui-ci, il avait... Alors ça, voilà, hop, l'Asus. Donc ça, c'est bon, l'HP, on se décide, on commence par lequel, c'est vous qui me dites. Ouais, pas de souci. Hein, JD, alors deux secondes, tu bouges, là, on reste sur le HP, là, voilà. Voilà. Pour l'instant, on reste sur le là. Et quand on te dira, on change, tu changes, d'accord? Voilà, on taquine, hein, bien sûr. Oui. Non, mais je sais, il commence à être sur les plages exotiques. On est un peu jaloux parce qu'il part au soleil. Et voilà, c'est pour ça, donc on le charrie. Donc ce HP, il est beau, hein? Oui, alors voilà, c'est un peu un ovni en fait, hein, chez HP, parce que, et pas un omni, enfin bon voilà. Si... Alors la particularité de ce, comment dire... C'est qu'il est incurvé, voilà. ce tout-en-un, voilà, c'est un all-in-one. Donc, tout à fait, c'est un all-in-one, il est incurvé, son écran est incurvé, alors on connaissait... C'est un iMac PC en fait. Oui, si on veut, alors moi j'aurais plutôt dit c'est un PC télé. Voilà, ouais, parce qu'il y a des télés incurvées, ouais. Voilà. Donc HP s'essaye à l'écran incurvé sur celui-ci. Alors il n'est pas aussi incurvé qu'une télé, mais il l'est un petit peu quand même. Il a l'air vachement long. C'est quoi la diagonale de l'image ? 34 pouces. 34 pouces ? Alors ouais, c'est un 34 pouces. Mais c'est quoi, c'est du 16/9e ? Oui, alors c'est un peu plus étiré. C'est du 3440 par 1440. Ah oui, c'est mieux d'un coup. Voilà. Ça change tout. Voilà. Ouais, c'est mieux bien d'un coup. Ça. Super résolution quand même. Oui, en fait c'est assez atypique. C'est-à-dire que normalement on a du 2560 par 1440 ou du 3840 par 2160, donc qui est la 4K informatique. Hein. Ouais. Là on est pile entre les deux. D'accord. Voilà. Donc c'est plutôt pour le jeu ou pour le graphisme? Alors, typiquement, là ici, jouer dans la définition native de la dalle, ça va être très très compliqué. Mmh. Non pas qu'il n'y ait pas ce qu'il faut, mais la carte graphique va avoir un peu à la peine. Hein. C'est une GTX 960, une vraie GTX 960 de PC de bureau qu'il y a dedans. Mais enfin, pour jouer avec une taille d'image comme celle-ci, la puce 3D va avoir un peu de mal. Mmh. En revanche, si on baisse bien sûr la définition, voilà, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Voilà, il n'y a pas de souci. Non, cette machine-là a été plutôt imaginée par HP pour les gens qui ont envie, d'avoir un bel objet. C'est rigolo parce que c'est écrit. L'envie d'avoir envie. Si t'as envie d'un envie. Voilà. Génial idée. Si voilà, c'est ça. Ouais. Il est. Ce qui est assez rigolo, c'est que bon, voilà, c'est fait pour les gens qui aiment. Bien qui ont envie d'avoir un joli PC sur leur bureau. Ça peut faire petite télé aussi finalement. Voilà, ça peut faire. Alors surtout télé incurvée. Voilà, et la transition est toute trouvée puisqu'il y a un HDMI in, donc une entrée HDMI à l'arrière de l'appareil. D'accord. Donc on peut éventuellement y brancher, voilà, qui dit platine Blu-ray, dit console vite, peut-être console de jeu, etc. Pas de tuner, hein. Non, il n'y a pas de tuner. Le tuner, c'est quelque chose qu'on voit de disparition, hein, sur les PC, parce qu'il y a un surcoût, hein, quand même. Pour arriver en France, il y a un surcoût pour les constructeurs. Ah ouais. Et c'est pas. D'accord. Le surcoût n'est pas si négligeable que ça, donc c'est pas toujours bien. Ça coûte combien, cette petite bête? Ça? Ouais. Oh, une bagatelle, trois fois rien. Trois fois rien. Voilà, vous pourrez m'en mettre deux aussi. Oui, voilà. Avec les deux baguettes. Alors, on est à 2600 euros et il n'y a qu'une configuration. 2006. 2006. Et il n'y a qu'une configuration disponible sur le marché français. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, c'est celle-ci, etc. Et on la trouve chez les grands distributeurs usuels, on va dire ça comme ça. Voilà. Très bien. Bon. Alors ça c'est pour le HP. Ouais. Un autre tout en un. Voilà. C'est Asus. Attends, j'envoie un fax. Alors attends, JD, tu peux y aller, tu peux envoyer la vidéo Asus, c'est bon? Allez, go. Voilà. Allez, on y va. Allez lui dire. Voilà. Alors ça c'est le Zen iOS. Le Zen iOS, donc qui nous avait été. Voilà, on y est, c'est bon. Donc présenté au Computex l'année dernière, visible à l'IFA 2015, donc le salon super salon européen. Ah, ça rappelle un petit peu quelque chose. Quoi, voilà, c'est marrant. Hein, ouais. Le pied en alu, le dos bombé. Alors, attends, ça me fait penser à quoi? Non, moi je pense que c'est Asus, c'est Mac, c'est Apple qui a copié sur Apple Asus. Qui c'est a copié Asus, ouais. Voilà, c'est ça. Il a sorti deux ans avant, c'est ça. Alors, faut quand même reconnaître que mine de rien, Asus s'est lancé très très tard sur les tout en un par rapport à des HP, etc., Acer. Ils font des pas de géant. On va pas leur passer la pommade dans le dos parce que cette machine est très chère et elle n'est pas parfaite. Mais au niveau du design, ils ont fait de gros efforts et ils font des pas de géant. Donc effectivement, ouais, ça rappelle un iMac. Hein, ouais. Voilà, on va pas tourner autour du pot. À la différence de l'iMac, c'est que lui n'est pas en 5K. Il est simplement 4K. Hein, excusez du peu. Ouais. Écran tactile pour cette version-ci. Ah, alors la version qu'on a eue au labo, dont le test va pas tarder à arriver, ne sortira qu'en mars. Mais on peut déjà trouver des occurrences, des itérations de cette machine sur le marché à partir de 1200-1300 euros et après ça peut monter jusqu'à 1900 euros. À l'intérieur de celle qu'on a eue, on vous laissera le plaisir de découvrir notre test et la vidéo qui passera sur Zeronet TV bientôt. Elle est plutôt pas mal cette machine. La seule chose qu'on pourrait vraiment lui reprocher d'ordre esthétique,
On le voit d'ailleurs sur les images, il y a une espèce de câble infâme qui vient se brancher donc à l'arrière de la machine. Ouais. Et il y a un bloc d'Alim. Et le bloc d'Alim n'est toujours pas intégré dans le monde PC, alors que chez Apple, c'est quelque chose qu'on fait de façon très naturelle. Ça, c'est vraiment dommage parce que, mine de rien, ça reste pas très esthétique. Et à 2 500 €, on aimerait bien que ce soit intégré. Bon, oui, bah bien, merci beaucoup. Merci Aymeric. Donc test à découvrir, à lire bientôt sur zeronet.com. Et on va terminer donc par François Bedin qui est venu avec une clé un peu particulière, Jérôme. Kézako. Alors si je vous dis que j'ai un coffre-fort dans ma poche. Ben on ne te croira pas. Bon, normal. Alors, bon. Quel est ce coffre-fort? Parce qu'il doit avoir plein de cartes bancaires black, je pense, François Bedin, c'est pour ça. Montrer à la caméra qui est derrière toi. Attention, faites attention les amis. Alors qu'est-ce que c'est que ce Beans? Alors, c'est une clé USB qui est signée Kingston et qui donc utilise un chiffrement matériel, c'est-à-dire les fichiers enregistrés sur la clé sont chiffrés. Et donc pour entrer le code pour accéder au fichier, eh ben, il y a carrément un clavier. C'est-à-dire que c'est une clé qui s'affranchit d'un ce qu'on trouve sur pas mal de aussi d'autres modèles, c'est-à-dire d'un petit programme à lancer pour entrer le mot de passe, qui évidemment pose le problème du système d'exploitation. Alors, explique-nous comment ça marche. C'est-à-dire que j'ai donc dessus, par exemple, j'ai les photos de vacances de Jérôme en string. Donc évidemment, tout ça est très sécurisé. Il faut les sécuriser. Imagine un peu la pagaille que ça pourrait mettre quand même sur les réseaux sociaux. Donc là, je la branche sur le PC. Alors, c'est sécurisé. Non, là, le truc, c'est que si on la branche sur le PC, on voit rien. D'accord. La clé est inaccessible. Okay. Donc, en fait, il faut taper le code. Okay. Ensuite, on la branche. Et là, effectivement, on voit les fichiers comme une clé USB normale. D'accord. Bon, c'est plus sécurisé que les trucs à empreinte digitale. Parce qu'il y avait déjà ça, une clé... Regardez, ça s'allume. Ouais. Ça s'allume en plus. Voilà, en donc, il y a une pile à l'intérieur, alors. Il y a une petite batterie rechargeable, mais qui se recharge quand on a branché la clé USB sur l'ordinateur. Okay. Mais là où je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que le problème de ces clés-là, c'est que, par exemple, une clé où il y a un petit programme de mot de passe Windows, bah, si on la branche sur un Mac, ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Ou si on la branche sur une télé connectée, ça ne marche pas. Alors que celle-là, elle est vraiment indépendante du système d'exploitation. Mais le côté code, c'est quoi? C'est pour les agents secrets? C'est pour... Enfin, non, quel est le marché? C'est pour alors le marché évidemment il est plus orienté vers un marché d'entreprise ou de PME ou vraiment des gens qui ont besoin, je sais pas, qui ont des données bancaires ou des bien choses sûr. Comme ça et qui ont besoin de les protéger. Combien parce que voilà, c'est là le Tim problème Cook c'est devrait avoir ça, tu vois, quand bah il a les schémas des iPhone 7 ou tu vois des iPad Air, etc. Il faut au moins des codes, quoi. Ouais, alors à votre avis, une clé 32 gigaoctets comme ça coûte combien? 32 gigas, combien ça coûte? Je sais pas. 100 €. 150. 150, 150 euros. Bah oui, ça fait cher c'est le prix de la sécurité. Ça fait cher c'est vraiment le prix. Donc ça sera vraiment pour des personnes qui veulent mettre le prix pour vraiment protéger leurs données. Mais c'est vraiment une solution que je trouve extrêmement aboutie. Bien sûr, c'est très incraquable bien. Pratiquement. Enfin, bah, en théorie, je pense que c'est extrêmement compliqué, voire impossible à craquer. Voilà, mais bon, clé USB rien n'est impossible. Mais la clé sécurisée, validée par François Bedin, notre expert. C'est une clé USB 3 et les performances sont très bonnes. Parce qu'en général, le problème des clés sécurisées, c'est que les performances, elles, par contre, elles sont très moyennes. Elle prend pas feu, comme le câble dont on parlait tout à l'heure. Et vraiment, donc, elle est vraiment rapide, ce qui est une agréable surprise pour ce type de clé, ce qui peut aussi expliquer le prix. Merci François. Merci beaucoup François. François Bedin, journaliste à zeronet.com. Et il nous reste 2 minutes. Je peux te parler vite fait d'un truc. Oui, vas-y. Voilà, j'avais un petit coup de cœur que je vous ai apporté. C'est un casque audio. Vous allez me dire oui, un casque, un de plus, etc. Mais alors prépare ta caméra Pierre pour faire un gros plan. Car regardez la particularité de ce casque. Et oui, cette prise-là, essayez toujours de la brancher dans un smartphone Android, ben vous aurez le plus grand mal. Même avec un marteau? Non, vous n'y arriverez pas. Donc c'est la prise Lightning Apple. Alors, on va bien expliquer, c'est pas le tout premier sur le marché. Sony a déjà sorti un casque comme ça, donc réservé à l'iPhone, hein, oui, c'est ça l'idée. Oui. Là, c'est un casque Philips, Fidelio, et M2. Qui est, en fait, on va dire le haut de gamme de Philips. Hein, qui est le haut de gamme Fidelio. De Philips. Et donc, le but du jeu, c'est de pouvoir écouter de la musique en haute résolution, du Hi-Res sur l'iPhone. Alors, sans rentrer dans le détail, bon, l'iPhone, j'ai demandé à Pépé Garcia, il m'a tout expliqué. Il t'a bien briefé ? L'iPhone, oui, on peut écouter du Hi-Res sur l'iPhone, mais ce n'est pas le top du top du Hi-Res, etc. Mais c'est quand même assez bluffant. Hein. On a fait un petit test. Ça marche plutôt pas mal. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est l'histoire qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, vous savez, la rumeur qui dit que le port audio va disparaître sur l'iPhone,
eh bien, et qu'on n'écoutera plus que de la musique avec un casque branché en Lightning, et eh bien voilà, ça y est, ça existe. Donc c'est peut-être le début de l'histoire du futur iPhone sans prise casque. En même temps, Jérôme, si je ne m'abuse, oui, il me semble que ce n'est pas le premier que Philips sort. Non, c'est le deuxième, effectivement. Mais il y en a très peu sur le marché. Il y a un an, ils en avaient déjà lancé. Le ML2. C'est ça. Exact. Et pour enfoncer un peu le clou, Sony avait quand même cet avantage, si je me rappelle bien, d'avoir plusieurs types de connecteurs, c'est-à-dire autant un connecteur jack, un connecteur Lightning et même un connecteur USB. Donc eux, ils avaient. Parce que là, le problème, c'est que si effectivement, c'est que pour l'iPhone. Si on n'a pas d'iPhone, ou si on a plusieurs appareils différents, tout à fait. Voilà. Parfait. Bien voilà. Tu as dit le prix ou pas? Alors 280 euros. Quand même. Ouais. On est dans l'univers Apple, on est pété de thunes, quoi. Oui, c'est pas Apple, c'est Philippe, mais oui. Oui, mais enfin, on est dans l'univers Lightning, etc. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est du haut de gamme en plus. Voilà, ce Zéro Live Hebdo est terminé. Peut-être un dernier mot concernant notre question Zéro Net Orange. Oui, Jérôme, alors attends, il faut que je la trouve, la question. Voilà, non, c'est pas là. C'est alors pas là. Celle-là. Non, ça, c'est une photo de tes enfants. Non, c'est pas là. Juste là, ça, alors, c'est attends, bon, Amazon, ton shopping, non, aussi. On est toujours comme tout à l'heure. Mais si, on est toujours comme tout à l'heure. Ça 49, n'a pas bougé, 51, les amis. Oui, c'est incroyable. Voilà. 49, 51, 49. Très honnête, les gens. Oui, ouais. Alors après, bon, c'est pas trop. Mais voilà, vous êtes 1 sur 2, en tout cas à voter, à télécharger des torrents. Continuez, vous avez toute la semaine pour voter sur 01net.com, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Ce 01 Live Hebdo est terminé et on se retrouve très vite. Merci à Jean-David Duarte qui était à la réalisation technique ce soir et qui part en vacances, vous l'avez compris. Oh, JD. Ah, tu nous as bien fait rire, c'était bien. C'était bien. Très sympa. Florian Beaufreton et Pierre Thiolin étaient là également. Voilà. Merci à vous. Une petite vidéo a été postée il y a quelques minutes de cela qui eh bien, parcourt les rumeurs. Faites par mon copain. Et non, qui parcourt les rumeurs en fait Apple. Vous savez que normalement Apple devrait annoncer pas mal de nouveautés le 15 mars prochain avec une keynote qu'on suivra bien sûr sur zeronet.com et Zeronet TV. Et à cette occasion, on vous fait une petite vidéo avec les rumeurs et les produits qui pourraient être annoncés. C'est déjà disponible sur Zeronet TV. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Si vous arrivez à la fin, bientôt le replay. Bonne soirée. À très vite. Salut à tous. Salut à tous.